Bonjour bien-aimé. Bonjour. Moi, je voulais poser une question. Qu'est-ce que c'est l'action de grâce? Quand on est à l'église, faites des actions de grâce. J'aimerais bien savoir le fond et puis qu'est-ce que ça veut dire. Merci. On dit quoi? Ouh! On t'a dit ça où? Abidjan ou ça? On t'a dit ça là? Ici, on t'a arnaqué. Oh Seigneur, sauve-nous. Tu as fait des offrandes d'action de grâce? Je voulais le faire dans mon église là. Combien? 150 euros. Ouh! Prends cet argent. Tu as des enfants? Oui. Nourris tes enfants. Prends cet argent si tu veux. Va nourrir les pauvres, les orphelins, les veuves. Dans Lévitique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on nous parle des offrandes d'action de grâce qui viennent du terme action de grâce. En hébreu, c'est shlem. Shlem a pour racine shalom. La paix. C'est l'offrande de paix, de remerciement. Et cette offrande préfigurait l'œuvre de la croix. Tu vois, non? Les Écritures nous disent que ceux qui voulaient faire cette offrande-là devaient amener un animal. Donc on va prendre par exemple un agneau. Dieu prenait la graisse. Le grand prêtre prenait la graisse de l'animal et la mettait sur l'autel, mettait le feu et la graisse était consumée. C'était pour Dieu. La fumée montait au ciel. L'épaule et la poitrine revenaient au grand prêtre qui était en exercice. Il prenait l'épaule et la poitrine. Le reste du corps revenait à la personne elle-même. Donc, lors de cette offrande-là, Dieu prenait sa part, le prêtre prenait sa part, donc était en exercice, et la personne qui offrait l'animal. Donc, c'est l'image du repas du Seigneur. Tu vois, non? Maintenant, cette offrande-là préfigure l'œuvre de la croix, ou on va dire aujourd'hui le repas du Seigneur. Des pasteurs, souvent mal intentionnés ou mal enseignés, se servent encore de cette loi mosaïque pour dire aux chrétiens de donner l'offrande d'action de grâce. À qui? À eux. Aucun pasteur dans la Bible n'a pris l'offrande d'action de grâce. Et d'ailleurs, cette offrande-là était offerte au Seigneur parce que les Hébreux reconnaissaient que Dieu est la source, pas été, parce qu'il est toujours la source, de leur bien, de leur bonheur. Maintenant, des pasteurs vous disent que si vous avez un diplôme, il faut faire une offrande d'action de grâce au pasteur. Vous vous mariez, offrande d'action de grâce. Toutes les belles choses qui vous arrivent dans la vie, il faut leur faire une offrande d'action de grâce. C'est comme si c'est eux qui vous bénissent. Donc, ils prennent toutes les prérogatives divines. Ils prennent la place du Créateur, devenant ainsi vos dieux. C'est du vol. Les Écritures de la Nouvelle Alliance parlent des actions de grâce. Mais c'est dans quel sens? Quand les gens étaient restaurés, bénis par le Seigneur, fortifiés, eh bien, ils rendaient des louanges. Aujourd'hui, les offrandes d'action de grâce sont des prières de remerciement. Ce n'est plus l'argent ni les offrandes. Tout ça, c'est fini. Voilà. Donc, c'est du vol. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, les chrétiens de la Judée ont rendu des actions de grâce au Seigneur, c'est-à-dire remercier Dieu par la prière, parce que les chrétiens, n'est-ce pas, de Thessalonique, avaient fait des dons. Leur avaient fait des dons à cause des combats qu'ils avaient. Ils avaient beaucoup de souffrance, hein, il y avait beaucoup de pauvreté chez eux. Donc, des chrétiens des pays étrangers avaient fait des offrandes aux chrétiens d'origine juive. Et quand les chrétiens d'origine juive ont pris ce don matériel, ils ont béni Dieu, ils ont rendu des actions de grâce par la prière et non par des dons financiers, matériels, tout ça. C'est complètement... c'est une fausse doctrine en fait. Donc ma soeur, tu te rends compte, les 150 euros là, si toi, tu dois donner... Ouais, le nombre que nous sommes ici. Si maintenant, il y a un pasteur ici, il prend la dîme de tout le monde ici. Imaginez combien je me fais. Si on prend juste ici, là, si tout le monde travaille, si tout le monde donne 50 euros par mois, vous imaginez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il y a au moins 20 personnes ici. Vous multipliez 20 fois 100, ça fait combien? 2000.
Imaginez, ici, 2000, 1005, 4000 là-bas au moins. 4000 par là-bas. 4000 ou 5000, imaginez maintenant. Non seulement qu'ils prennent vos dîmes, parce qu'ils vous arnaquent, c'est aussi la loi qu'il ne faut pas payer, il ne faut plus payer, ils prennent aussi les actions de grâce. Donc imagine maintenant, en plus de ta dîme, tu dois faire aussi une action de grâce parce que peut-être que tu as marié ta fille ou tu as marié ton fils, tout ça là. Action de grâce, 150 balles. Et ensuite on dit, on ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Donc tu vas prendre un rendez-vous comme tellement de chrétiens, les chrétiens aiment tellement les rendez-vous, les entretiens. Allô pasteur, il faut aussi venir avec une enveloppe. Bonjour, c'est bien. Il n'y a pas d'enveloppe là, vous inquiétez pas. Donc imaginez maintenant là, comment ces gens deviennent riches. Mais c'est terrible ça. Donc les 150 balles là, tu peux le garder. Tu as compris hein ma soeur? Voilà.